Good morgen, allez, Yidden les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Adel Bat Sol Tarab, le Bet Vanish et Charlie Shalom Ben Germain Sarah, ainsi que l'Irfouat, Olivier Zrocheman Ben Chayester, Hamchat Mir Bat Roselena et Ben Ben Chibéva, Vetor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Héroïne, Perek He. On débute le 5e Perek aujourd'hui, Ketzad me Abrin et Tahir, Bet Shamay, Beit Nichnas, Beit Yotse. Pagum nichnas, pagum yotze. Ayusham gedudiyot gvohot asarat fachim. Ugesharim unefashot. Sheyesh bahen bet dira. Motzin et amida kenegdan veosin ota kemin tavla merubaat. Kede sheyehe niskar et hazaviyot. On a un nouveau chapitre qui va nous porter sur les Eruv et Troumin. Ça veut dire depuis déjà, je crois même depuis la moitié du Perek Bet, on commence à en parler, et après on a eu beaucoup de chapitres sur le Eruv Troumin, sur les Troumin en général, c'est-à-dire, je m'explique. Chaque Perek a la singularité, son thème à l'intérieur du grand sujet général, qui sont les Eruv Troumin, à savoir, le Shabbat, on n'a pas le droit de quitter son lieu. C'est quoi ton lieu? Alors, il y a d'abord ta place, comme je m'avais expliqué, ça peut être tes quatre amot, ça peut être toute ta ville. Et puis, au-delà de la ville ou de ta place, tu as encore 2000 amas. D'accord? C'est ton Troum Shabbat. On avait appris maintenant dans le Perek précédent, dans le détail, comment est-ce qu'on fait les Eruv Troumin. Ça fait deux Perekim, on a eu sur les Eruv Troumin exactement. Comment est-ce qu'on peut changer les Eruv Troumin. Maintenant, on va passer à un autre sujet. On ne va plus parler du Eruv Troumin, on va parler du calcul du Troum. À savoir, c'est vrai qu'il faut calculer 2000 amas. 2000 amas autour de la ville même. Mais on va apprendre qu'en réalité, ces 2000 amas, c'est un calcul très, très, très original, où on va être très permissif dans la manière de calculer. Il y a plein de halakhot qui vont nous alléger pour nous dire, en fait, jusqu'à maintenant, je prenais toujours l'histoire avec les 2000 amas, je sors de la ville, de chez moi, est-ce que je peux partir, Kevel Shmukwe vers chez moi la nuit, parce qu'en distance, mais c'est pas, en distance, j'ai moins, plus de 2000 amas. Mais on va apprendre justement que c'est pas exact, qu'on a plein de manières de façon de calculer en fait pour alléger encore plus, et du coup ça va nous, on va se retrouver avec des 2000 amas qui vont en fait parfois faire même beaucoup plus que 2000 amas, comme ce qu'on va expliquer. Je ne vais pas dire de chiffres parce que il y a plein de facteurs qui vont entrer en ligne de compte de manière générale malgré tout. Alors pour pouvoir calculer les 2000 amas, il va falloir délimiter la ville où elle est, et délimiter la ville, alors là c'est une halakha très originale. Il faut que tu fasses un carré de ta ville, soit si tu as une ville qui est en forme de rond ou d'ovale, et ben tu vas d'abord la faire carré. On va d'abord la rendre carré. Donc du coup, tu vas rajouter maintenant des diagonales. Imaginez qu'on a un vrai rond, on va en faire un vrai carré. Donc tu vas rajouter en fait, tu vas rajouter maintenant tous les carrés, donc tu vas gagner dans les diagonales. D'accord? Racine de 2 sur la distance des diagonales. Tu vas les calculer selon les sens du monde, l'est, ouest, nord, sud. D'accord? Et tu vas faire un carré comme ça, et puis ça, tu vas délimiter ta ville, après tu vas calculer les 2000 amas. On apprendra encore plusieurs permissions sur la manière de calculer, il y aura plein de détails. Notre première Mishnah, maintenant, elle va nous apprendre une halakha extraordinaire. C'est qu'imaginez, vous avez une ville même carrée. D'accord? Un vrai carré qui va vous faire 5 km sur 5 km. Mais, même une extrémité, ou même au milieu, il y a la ville à part être carrée, elle n'est pas exactement comme en fait, elle a une maison qui dépasse. Une maison qui va dépasser même, allez, qui va faire un nouveau 50 mètres qui dépasse comme ça dans la ville. Et bien figurez-vous qu'on va faire autour de cette ville un carré, en rajoutant ces 50, on va faire entrer tous ces 50 mètres dans le trou. Je ne sais pas si vous, dommage, je n'ai pas sorti le tableau. Bon, on va sûrement travailler avec beaucoup de tableaux en fait dans ce chapitre. Pour le moment, retenez, l'idée est simple. Imaginez, vous avez un carré, voilà, mon livre. Vous avez un carré, mais là vous avez une maison qui dépasse. Eh ben, on va pas calculer que ça c'est le carré de la ville et on va calculer le trou. Non, la maison elle va faire qu'on va tout prendre, que maintenant tout ça c'est devenu la superficie de la ville. On va calculer les 2000 amas à partir de là-bas. D'accord? Et en fait, la Mishnah elle va commencer à nous raconter. Imagine ta même la muraille qui dépasse un peu par ici. Ben, c'est devenu maintenant là la limite et tu vas tirer un grand trait. Tu vas faire comme s'il y a de l'autre côté aussi. Une autre maison qui dépasse aussi, tu traces un trait, et puis tu vas le faire ça dans tous les sens en fait. Et même mieux que ça, on va découvrir qu'en fait, même si à l'entrée de la ville, on rentre dans la ville avec un pont, et que ce pont,
Il y a de l'autre côté du pont, qui a moins de 70 amas, on expliquera plus dans les détails après, il y a une petite cabane où là-bas vit celui qui prend la taxe pour passer sur le pont. Et bien ça y est, on va le faire entrer dans la ville, on va tirer le trait à partir de là-bas, et puis de là-bas on calculera les dunamas. Donc en fait, on va se retrouver à permettre à fond, à part ça, une fois que vous allez faire le, vous allez tirer là-bas, vous allez maintenant délimiter votre domaine en forme de carré ou de rectangle, à partir des extrémités qui dépassent, vous allez désigner où se trouve votre carré, il va s'avérer que vous allez gagner maintenant dans les coins, vous allez gagner une tonne de distance, quoi, d'accord? Parce que chaque coin, il va se transformer maintenant en fois racine de 2, selon la distance que vous avez rajoutée. D'accord? Selon Pythagore, vous vous rappelez? Oui. A au carré plus A au carré, donc on fait la racine des 2, ça fait A racine de 2. On multiplie par 2 cinquièmes. Et on commence maintenant à découvrir la Mishnah, qui commence en posant une question. Ketsad me'abrin et ta'ir. Le mot me'abrin, comment est-ce qu'on fait un hibour de la ville? Faire un hibour. Une femme enceinte, elle est me'ouberet, elle a un gros ventre. Et la Mishnah pose la question, comment est-ce qu'on fait le gros ventre de la ville? C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas élargir la ville? Elle te faisait 5 km sur 5 km, 5 km, et bien c'est vrai que finalement, tu vas beaucoup gagner, parce que tu vas, ça va faire 5,5 km, s'il y avait 500 mètres en plus, avec j'ai pas le bon mot pour dire, pour un petit domaine privé qui dépassait comme ça. Alors comment est-ce que tu vas rendre la ville Me'ouberet, tu vas la faire grossir? Bait Nichnas ou Bait Yose, s'il y a une maison qui rentre ou une maison qui sort, c'est-à-dire tu as la muraille, mais des fois tu as une maison qui vient en arrière, ou tu as une maison qui va à l'extérieur, ou encore Pagum Nichnas ou Pagum Yose. C'est pas qu'il y a une maison qui entre et une maison qui sort, c'est la muraille elle-même, le pagoum, c'est la... Il y a des tours. Le mot exact, c'est exactement ça, une tour. Il nous dit « Shesh migdalim boltim barouba ». Il y a des tours, c'est fréquent dans la ville, ouais, comme dans les villes de la muraille de Jérusalem. Vous avez de temps en temps des tours, la tour maintenant elle va dépasser un petit peu. Ou encore, un autre cas de figure, « Oh, shayusham gedudiyot gvohot asarat fachim ». Il y avait là-bas des gedudiyot. Gedudiyot, c'est des bris de maisons, et des maisons qui ont été détruites en fait. Mais il y a quand même une forme, ça avait un statut de maison, ça garde son statut de maison à condition qu'il y ait soit deux murs et un toit, soit même trois murs sans toit. Ou encore, donc ça c'est Gdudiyot, Gvohot, mais il faut qu'elle soit haute de 10 tfachim, sinon c'est même plus considéré comme un domaine privé. Ou encore, ou Gsharim, ou Nefashot, Sheyesh, Bem, Bet, Dira. Gsharim c'est un pont, ou Nefashot, c'est des, comment dire, c'est un Nefesh, c'est une pierre tombale, mais en réalité c'est... C'est plus comme un caveau en fait, où on se retrouve là-bas, il y a un gardien. C'est le principe chez Eshben Bedira, où il y a là-bas de quoi vivre. C'est-à-dire qu'il y a un gardien qui est sur place constamment en train de garder, comme c'est fréquent encore, ceux qui vont pèleriner au Maroc, il y a apparemment des gens qui vivent à côté là-bas du cimetière. Et quand ils vont pèleriner dans les endroits assez déserts, il y a quand même quelqu'un qui habite sur place. Et enfin, c'est le même principe. Donc il y a maintenant à l'extérieur du cimetière, et là-bas au cimetière, il y a quelqu'un qui vit. Le cimetière est en général en dehors de la ville. Ouais. Et du coup, il y a là-bas quelqu'un qui habite. Et bien, de nouveau, si il a pas, il a une distance, il y a une condition qui est explicitée plus loin, qu'on a déjà évoquée même, c'est la condition qu'il n'y ait pas de plus de 70 amas, 35 mètres. Il faut qu'il y ait sans arrêt des maisons. Tant qu'il y a sans arrêt des maisons à moins de 35 mètres, alors c'est considéré que c'est encore la même ville qui continue, et comme ça on va pouvoir la continuer à aller dessus. Donc maintenant, tu feras sortir face à elle l'amida, la mesure, tu commenceras la mesure était 2000 amas à partir de là-bas. Et à partir de là-bas, tu dis, à partir de là, je commence à mesurer, mais à partir de là-bas, ve aussi nota kemin tavla merubat. On la fera comme une grande table carrée, rectangulaire. Donc de là, tu décides maintenant, tu dis, allez. C'est là maintenant qu'il faut fixer les limites, et tu vas fixer maintenant un grand carré, comme ce qu'on verra plus tard. Il faudra que tu le fixes selon les Ruchot Hashamayim, dans sud-est-ouest. D'accord? De là-bas, tu vas. Donc, selon l'orientation, vous allez parfois plus ou moins gagner de la bosse qui dépasse. D'accord? Selon si la ville, elle est. Selon l'orientation par rapport aux points cardinaux. De là-bas, maintenant, dès que tu arrives aux extrémités, tu désignes maintenant, tu traces un grand trait, tu fais un grand carré, comme une tavla merubat, comme une très grande table, c'est-à-dire un carré. Comme ça on a expliqué le Rambam, il nous a expliqué en haut, c'est une expression pour dire, ne prends pas la tête à faire des calculs de NASA, tu fais plus ou moins ce qui a l'air d'être carré. Kedel chez Niskar et Azivyot, et par l'intermédiaire de cela, il va être Niskar les Aviot, il va gagner, il sera,
les aviotes, les coins. Par là, il va pouvoir gagner en plus de ça même les coins. D'accord? Et voilà, on a fini la première Mishnah qui nous expliquait comment est-ce qu'on va commencer le calcul du Troum. Bien évidemment, il y aura encore plein de... Ce sera traité encore plus longtemps, mais ça sera déjà dans, plus longuement dans les prochaines Mishnayot. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv, c'est là.